Les élections européennes se déroulent du 6 au 9 juin à travers tous les pays de l'Union européenne. Le candidat qui arrive en tête des sondages en France est Jordan Bardella, qui représente le Rassemblement national. L'occasion de revenir sur le plat qu'il adore. À quelques jours des élections européennes, le député Jordan Bardella est annoncé en tête des sondages en France. Celui qui porte la liste du Rassemblement national est annoncé à 33% des intentions de vote par l'Ipsos. À cette occasion, revenons sur le plat que l'homme politique de 28 ans adore. L'été dernier, le protégé de Marine Le Pen s'était confié sur son plat fétiche dans les colonnes de Paris Match. Les pâtes. Ses parents d'origine italienne lui ont transmis le goût pour les pâtes. C'est « une forme d'addiction irrationnelle », avait expliqué le président du RN en reconnaissant qu'il pouvait « en manger deux fois par jour ». Le plat préféré de Jordan Bardella est précis. Des bucatini à l'amatriciana, une sauce tomate piquante, originaire de la petite ville des Amatrices. Chez moi, la sauce Barilla, c'est interdit. Idem pour le gruyère ou le fait de couper ses spaghettis, avait-il lancé aux journalistes qu'il recevait dans un restaurant italien du 16e arrondissement de Paris où il a ses habitudes. Auprès de sa mère, de sa grand-mère, mais aussi de son oncle qui tient un restaurant près de Turin, le député européen a appris à cuisiner des lasagnes, la bolognaise ou encore l'osso buco. La cuisine italienne est populaire par excellence. La carbonara ou l'amatriciana étaient, au départ, des repas ouvriers. C'est une cuisine qui a besoin de peu d'éléments, tout est question de temps de cuisson. Une seconde de trop et c'est fichu, avait expliqué Jordan Bardella à Paris Match. Jordan Bardella irrité par un jeu de mots de Manon Aubry. Ce mardi 4 juin, France 2 diffusait le dernier débat entre les têtes de liste aux élections européennes. Les candidats étaient venus pour exposer leur programme, mais aussi pour critiquer leurs adversaires. Jordan Bardella, en particulier, a protesté contre un jeu de mots qu'il n'apprécie guère. Manon Aubry a taclé Jordan Bardella, en lui lançant ses votes parlent pour lui-même au Parlement européen, quand il est là, puisque, vous le savez, on l'avait surnommé « Bardeste Pala ». Rappelant qu'en l'espace de 5 ans, le député européen n'a déposé que très peu d'amendements par rapport à beaucoup d'autres députés. Jordan Bardella a vivement réagi. J'ai beaucoup de respect pour vous, s'il vous plaît, je vous demande d'en faire autant, et de laisser mon nom de famille là où il est.